Bonjour à tous, une vidéo très rapide depuis l'aéroport d'Onmuang pour vous présenter un bon plan pour le change de votre argent. Autant à l'aéroport Suvarnabhumi, tout le monde le sait, il suffit de descendre tout en bas au niveau du métro pour trouver des taux généralement meilleurs de autour de 2 bahts par euro. Mais à Onmuang, il n'y a pas de super riche, il n'y a pas de value plus. Alors comment on fait? Et bien dans l'aéroport, c'est vrai que dans l'aéroport même, il n'y a pas de bureau avec un taux avantageux parce qu'ils ont quasiment tous le même taux. Mais je vais vous montrer que pas très très loin et facile d'accès, il y en a un qui a un taux un peu meilleur. Je vais tous vous les faire, comme ça au moins vous aurez la vision globale du truc. Et là, nouveau taux de change. $31.78. De toute façon, ils sont à côté les uns des autres, ils sont obligés de faire les mêmes taux. Ouais, là vous êtes à... Il est où l'euro? Il est où l'euro? Il est où l'euro? Il est là, 31,78. Vous voyez, dans l'aéroport, là vous avez les taux de change, c'est tous les mêmes. Hein. L'euro, là, on est à 31,78. Celui d'à côté, 31,78. Ah, il n'y a pas de surprise. Hein. Taux, 31,78. Vous allez à côté. 31,78. Je vous fais le dernier pour la route. 31,78. Voilà, 31,78 ici aussi. 31,78 là. Ouais, là, on est à 31,78 et on est à 31,78 aussi. Vous pouvez aller partout dans l'aéroport. De toute façon, vous avez le même taux de change dans tous les guichets. Et donc maintenant, comment on fait pour trouver un meilleur taux? Eh bien, on va à la gare de Onmuang qui est juste en face de l'aéroport. Je vous rappelle que pour ça, il faut aller ici, comme si on voulait aller à l'hôtel Amari, prendre l'ascenseur, donc jusqu'au deuxième étage. Vous voyez, deuxième étage, Train and Bus Station. Donc, c'est au niveau du terminal 1 hein, qu'il y a la passerelle entre le train et l'aéroport, et donc cet ascenseur pour aller à l'hôtel Amari. Je vous l'avais déjà montré dans la vidéo sur comment rejoindre la gare de l'aéroport ou l'aéroport de la gare. Vous allez tout droit. Vous prenez la passerelle. Là, ici. Tourner pour aller rejoindre la gare. La droite devant moi, c'est la gare ferroviaire de Onmuang. Je vous avais déjà montré ça hein, dans la vidéo sur justement la passerelle qui relie la gare et l'aéroport de Onmuang. Ça peut être très pratique pour connecter un avion et un train, ou même pour venir à Onmuang depuis le centre de Bangkok, la gare Walampong, en train. Et donc là, maintenant, une fois que vous êtes là, vous avez ici un Happy Rich qui, normalement, j'ai vérifié plusieurs fois, a des meilleurs taux. Alors, on va vérifier. Vous voyez là, le taux, il est là. On est en euros. En fonction des coupures, vous êtes 33,20, 33,15, 33,10. On était à 31,78 là-haut. La référence du taux les moins chers souvent en Thaïlande, c'est Super Rich. Super Rich, à l'heure actuelle, est à 33,30. Ici, vous êtes à 33,20 si vous avez des coupures de 100 ou plus. Donc, on n'est vraiment pas si mal. Voilà pour ce bon plan, changez votre argent à Onmuang. Vous voyez la différence par rapport au bon plan habituel à Suvarnabhumi, donc d'aller au Super Rich et même Value Plus, etc. Au niveau du métro, qui ont des taux de change souvent très proches les uns des autres, voire égaux les uns des autres, mais qui sont bien meilleurs que quelques étages plus haut. Et bien là c'est pareil, vous allez à la gare ici au Happy Rich et vous avez un bien meilleur taux que dans l'aéroport. C'est pas exactement le taux du Super Rich, il est un tout petit peu moins avantageux, mais enfin voilà, vous gagnez entre, en général j'ai fait plusieurs fois le test, enfin j'ai regardé plusieurs fois, vous gagnez entre 1 baht 20 et 1 baht 50 par euro, ce qui sur des sommes un peu importantes vaut le coup. Je vous donne rendez-vous pour des vidéos visites et d'autres bons plans et conseils sur le site thailandi.com et sur cette chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt !